6 ans. Nous entretenons des relations amicales avec des pays européens. Nous développons des liens entre les pays et une fois par an, à l'occasion de la fête nationale, nous les invitons à Châtillon-sur-Indre. Aujourd'hui, 15 pays sont présents, plus de la moitié de l'Europe. Nous avons le marché européen toute la journée. Toutes les délégations sont venues avec des spectacles. Les spectacles sont non-stop. La Grèce, c'est aussi une mixité de cultures. C'est vraiment comme dans l'histoire, c'était partagé en régions, etc. Et chaque région a gardé son histoire, sa culture, ses coutumes. Alors, on a notre ami qui est là. Et les spécialités grecques, les produits nationaux, qui sont l'huile d'olive, parce qu'on est les plus grands consommateurs au monde. Après, les miels, les confitures, beaucoup de fruits, les agrumes, tout ça. J'ai vu des gens de d'autres pays. J'ai vu les personnes du spectacle, j'ai bien aimé. Le premier but pour moi, ce sont les jeunes, c'est élargir leur horizon, hein, préparer leur avenir social et professionnel. On comprend mieux les autres cultures quand on a cette ouverture. Ça s'accompagne en principe d'un sentiment de tolérance, de compréhension mutuelle et on peut développer des projets ensemble via les programmes de l'Europe parce que l'Europe nous aide beaucoup. Alors c'est vrai que cette manifestation promeut la fraternité entre les pays européens et donc pour nous évidemment que c'était très très important d'y participer, on est très heureux. Vous serez présent l'an prochain ? On espère. On espère, on attend avec impatience. De façon informelle, nous allons déguster toutes les spécialités européennes, que ce soit la paella, le goulash, la fondue bergère des Roumains. Ça, très bien. Ah, c'est bon, elle est chaude, elle est bien préparée, bien assaisonnée. Excellent. C'est vrai que je te conseillerais, mais oui, c'est sympa. Le 14 juillet à Châtillon est très original puisqu'il est européen. Tous les pays défilent avec leur drapeau. Ces journées se termineront avec un magnifique feu d'artifice à Châtillon. Donc c'est notre bouquet final. C'est bien, quoi. Ça amène un peu d'animation dans le pays, ça fait du bien.